6h30, 9h, la matinale. François Huguenin, bonjour. Bonjour Stéphanie. Exercice de repentance ce matin ah, J'ai fauté, chère Stéphanie, mal. et c'est péché. Vous serez fauté. J'ai regardé un film sur Netflix je vous rassure, avec des codes empruntés, et c'était pour voir le film The Two Popes, les deux papes. Je me passe habituellement de Netflix comme d'Amazon qui tue les cinémas et les librairies. Pour la musique, je me confesse encore, j'avoue, avoir un abonnement sur Spotify, mais quand j'aime un artiste, j'essaye le plus possible d'acheter son disque. Et donc j'ai vu le film Les deux papes. C'était censé nous expliquer comment cela se passe à Rome avec un pape et un pape émérite. Remarquez que la terminologie est problématique. Il n'y a pas de pape émérite, on est pape ou pas. Il y a en revanche un évêque émérite de Rome qui est Benoît XVI et que j'aime beaucoup. Alors justement, quelle idée catastrophique chez le réalisateur Fernando Merelles d'avoir confié à Anthony Hopkins le rôle de Benoît XVI Certes, il a de jolis cheveux blancs, mais son regard est aussi dur et métallique que celui de Benoît XVI est doux et sensible. Le choix de celui qui fut Hannibal le cannibale du silence des agneaux pour jouer Joseph Ratzinger pose quand même un vrai problème d'authenticité du propos. On songe au cinéaste Robert Bresson qui refusait de recourir à des acteurs professionnels justement pour éviter ce genre de télescopage qui rend un film nul et non avenu providentiellement, Jonathan Price en Bergoglio est très crédible. On avait déjà remarqué sa ressemblance avec le pape François dans Game of Thrones. Enfin, c'est mes filles qui me l'ont dit. Oui, hein. vous, vous regardez pas. <laughs> Je regardais une série quand même, une, une saison. Tout cela est au service d'une logique binaire absolument erronée, le gentil François contre le méchant Benoît, vous voyez le niveau. De fait, contre toute vérité historique le réalisateur impute, par exemple, à Benoît XVI un aveuglement face aux atrocités commises par le père Massiel, fondateur des Légionnaires du Christ et prédateur en série, alors que Joseph Ratzinger eut le premier le courage de s'attaquer au problème. Le plus grave est que la réalisation de ce film est digne d'une série médiocre. La manière de filmer un confessionnal passe totalement à côté de l'intimité de la démarche. Quant à la façon de montrer les prisonniers de la dictature argentine dans un flashback esthétisant, elle est complètement Incongru. Alors j'entends des catholiques se réjouir du fait qu'un film à large audience se penche sur notre Église. Stéphanie, sommes-nous tellement en attente de reconnaissance que nous cherchions désespérément l'adoubement d'un film médiocre sur une plateforme mondialement célèbre Je le crains et franchement, ça m'agace. Voilà, l'édito agacé de François Huguenin, c'est à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube ou même sur rcf.fr.